voilà. J'ai apporté mes petits ciseaux en plastique. Des petits ciseaux en plastique pour visiter les pays bibliques? Oui, oui, ça rime bien, hein, Bobino? Mais qu'est-ce que tu veux en faire? Je vais t'expliquer. C'est pas des gens d'aujourd'hui qu'on va faire rencontrer aux amis. Parce que des gens d'aujourd'hui qui vivent dans les pays bibliques, j'en connais pas. On va leur faire rencontrer des gens qui y vivaient autrefois. Samson et Dalila. Samson et Dalila? Mais oui, tu te souviens bien de l'histoire de Samson? Mais évidemment que je m'en souviens. Vous savez, mes tout petits, c'était un homme très très fort qui se battait contre les Philistins. Oui, c'est ça. Il se promenait toujours sur un âne. Sur un âne? Ah non, non, non. Là, tu dois confondre. Mais si, Bobino, même que l'âne, quand il rencontrait des ennemis, il les assommait en leur donnant des coups de tête comme ça, tiens. I-an! I-an! Mais non, pas du tout, Bobinette. Mais si! Je l'ai appris à mes cours du soir. À coups de mâchoire qu'il les assommait. Je sais ce que c'est une mâchoire, c'est ce qu'on a en dessous du nez. Mais non, c'est pas un âne qui assommait les Philistins, c'était Samson. Ben, c'est Samson qui avait une mâchoire d'âne. Tu veux peut-être me dire aussi qu'il avait des oreilles d'âne et puis une grande queue? Mais non, il avait une mâchoire d'âne qu'il avait trouvée dans le désert et il s'en servait comme massue. Ah, je comprends. C'est un âne qui avait jeté sa mâchoire dans le désert parce qu'elle était plus bonne et Samson l'a ramassée. Une mâchoire qui n'était plus bonne. Oh là 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 là. Il s'en est servi pour assommer plus de 1000 physiciens dans une seule journée. Non, pas des physiciens, des philistins. C'était ses ennemis. Oui, oui, c'est ce que je disais, des philistins. Ça prouve qu'il devait être rudement fort, Samson, hein, Bobino? Bien sûr qu'il était très fort. On dit même qu'il était très fort parce qu'il avait de très longs cheveux. Je sais, je sais. C'est pour ça qu'il a été chez la coiffeuse. Chez la coiffeuse? Oui, oui, une coiffeuse qui s'appelait Dalila. Elle lui a coupé les cheveux et alors il était plus fort du tout. Mais non, c'était pas une coiffeuse, Bobinette. C'était une amie des Philistins, une espionne, si tu veux. Et un jour, quand Samson dormait, elle lui a coupé les cheveux et il a perdu toute sa force. Et les vilebrequins l'ont attrapé. Pas les vilebrequins, les Philistins. Oui, oui, les Philistins. Ils l'ont attrapé et ils l'ont renfermé dans un vieux moulin. C'est ça. Seulement, il s'est bien vengé, les amis. Parce que quand il était dans le moulin, ses cheveux ont repoussé. Et un jour que les Philistins l'avaient emmené voir leur oncle, leur tante. Mais non, pas leur tante, Bobinette, leur temple. Oui, c'est ça, leur temple. Il a secoué les murs et tout le temple leur est tombé sur la tête. C'est ça. Tu vois que je la connais bien, mon histoire de Samson. Oh, oui, si on peut dire. Et si. Même que pour te le prouver, on va y jouer, Bobino. Tu veux que... Oui, c'est pour ça que j'ai apporté mes ciseaux, pour te couper les cheveux. Quoi, tu as l'intention de... Oh, mais je vais faire semblant. C'est des ciseaux en plastique. Je peux pas te les couper pour de vrai. Ah, ben j'aime mieux ça. Bon, toi, tu vas être Samson, ou plutôt Samson Bino. Et moi, je vais être Dalila Binette. Bon, on va donc commencer par la scène des cheveux. Tu vas faire semblant de dormir. Où est-ce que tu veux que je m'installe? Pose ta tête sur le comptoir. Là, ça va être parfait. Comme ça? Il faut que tu enlèves ton chapeau, Bobino. Tu vas être Samson sans son chapeau. Autrement, je pourrais pas faire semblant de te couper les cheveux, tu comprends? Oh, c'est vrai, ça. Mais Bobinette, les tout-petits ne pourront rien voir puisque c'est un disque. Ils entendront le bruit des ciseaux, c'est le principal. Ah bon, d'accord. Alors, je m'installe et je fais semblant de dormir. C'est ça, Bobino. Je peux ronfler? Oui, ça fera plus naturel. Bon, d'accord. Alors, je dors, mes tout-petits. Bon, alors, là, moi qui suis Dalila Binette, je vais m'approcher de lui pour lui couper les cheveux. Je vais pas faire de bruit, forcément, il faut pas qu'il m'entende venir. Bon, là, ça y est. Je vais commencer par faire semblant de lui couper ses boucles en avant. Bobino, penche un peu ta tête. Je peux pas les attraper, Bobino. Mais je te dis de pencher ta tête pour que j'attrape tes boucles. Ah bien ça, alors. Mais Bobino, je te parle! Oh non, laisse-moi dormir, tapageur, c'est pas l'heure de se lever. Mais... Oh, par exemple, il s'est endormi pour de bon, les amis. Ah bien, celle-là, elle est bien bonne. Je lui ai dit de faire semblant de dormir et... Oh, je vais lui jouer un bon tour. Tapageur, petite musique biblique, je reviens dans un instant. Ça devrait marcher. Vous savez pas ce que je lui ai mis sur la tête, les amis? Un faux crâne en caoutchouc que j'ai installé par-dessus ses cheveux. Comme ça, quand il va se réveiller, il va plus voir un seul cheveu sur sa tête et il va croire que je les ai tous coupés. Bon, je le réveille. Bobino? Pardon, Samson-Bino? Samson-Bino? Mmh. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, mais ma parole, je m'étais endormi pour de vrai. Bien sûr, Bobino. Et j'en ai profité pour faire la même chose. La même chose? Eh bien, oui. Tes cheveux, là, je les ai aussi coupés pour de vrai. Oh, par exemple. Mais c'est ma foi vrai, j'ai plus un seul cheveu sur la tête. Mais tout petit, mon crâne est lisse comme... Comme un œuf, Bobino.
T'as l'air superbe, Bobino. Ah, tu trouves? Eh bien, ça ne va pas se passer comme ça. Pour commencer, je vais commencer par te donner une bonne punition. Non, 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 pas de bonne punition. D'ailleurs, ce serait pas une bonne punition. C'est jamais bon, une punition, oui, Bobino. Oui, bien, bonne ou mauvaise, tu vas l'avoir. Non, non, Bobino, je l'aurai pas. Ah oui, pourquoi ça, je te prie? Parce que tes cheveux. Ça fait quoi, mes cheveux? Tu les as encore, c'est un faux crâne que je t'avais installé par-dessus. Un faux crâne? Mais oui, il s'enlève. Ah, ça, c'est trop fort. Et moi qui croyais que... Pour un tour au pays biblique, hein, c'est un bon tour. Ah, je t'en ferai voir, des pays bibliques. Non, 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 tu m'en feras pas voir. Parce que, justement, on va les quitter pour se rendre cette fois au Mexique. Vas-y, tapageur, petite musique mexicaine. Ah là 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 là, si je ne me retenais pas. Attention, ils sont ici, les chiboukis. Un point, deux points, trois points, quatre points, des points par milliers. Ils sont tombés sur notre terre de la Conciliée. Attention, ils sont ici, les chiboukis. Les chiboukis. Pipouille de pipouille, les chiboukis sont tous ici. Oh, les chiboukis à roulette. Avec des roues, ça roule, ça roule. Même Bazou, ça roule avec des roues. Une roue carrée, ça ne roule pas. Ça reste là sur le pavé. C'est pas une roue. Quand l'homme a inventé la roue, il eut une drôle de bonne idée. Car pour avancer, avancer, on n'avait jamais mieux trouvé. Des chiboukis, ça roule, ça roule. Comme une boule, tu es parti, petit chiboukis. Une roue dentée, ça mord épouvanté, tu t'es sauvé. La roue dentée. Quand l'homme a inventé la roue, il eut une drôle de bonne idée. Car pour avancer, avancer, on n'avait jamais mieux trouvé. Une roue c'est rond, une roue c'est bon. Pour aller loin au bout du chemin, salut copain. Quand l'homme a inventé la roue, il eut une drôle de bonne idée. Car pour avancer, avancer, on n'avait jamais mieux trouvé. Picpouille de picpouille, il y a des milliers de chiboukis. Je n'arriverai jamais à les compter tous. Bon, ça fait rien, je commence. Un chibouki plus un chibouki, ça fait... C'était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût pu voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit des galettes, lui dit... Va voir comment se porte ta grand-mère, car elle est malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, qui demeurait dans un autre village. En passant dans le bois, elle rencontra le loup qui lui demanda où elle allait. Je vais voir ma grand-mère et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. Demeure-t-elle bien loin? Oh oui, c'est par-delà le moulin, à la première maison du village. Eh bien, je veux aller la voir aussi. Je m'en vais par ce chemin-ci, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui sera le plus tôt. Le loup se mit à courir de toute sa force, par le chemin qui était le plus court.
Et la petite fille, elle, s'en alla par le chemin le plus long. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la grand-mère. Il est là ! Dit la grand-mère. C'est votre fille, le petit chaperon rouge ! Mentit le loup en changeant sa voix. Qui vous apporte une galette et un pot de beurre que ma mère vous envoie ! La bonne mère grand qui était couchée lui cria. Tire la chevillette et la bobinette, cher rat ! Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait pas mangé. Ensuite, il ferma la porte et alla se coucher dans le lit de la grand-mère, en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Qui est là ? C'est votre fille, le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Eh bien, tire la chevillette, la bobinette, cher rat. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. Oh, ma mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge pour le dévorer. La petite fille poussa alors des cris si affreux et se débattit avec tant d'effroi que des bûcherons qui passaient justement sur la route accoururent, défoncèrent la porte et à coups de hache abattirent le loup. Et toute tremblante, le petit chaperon rouge reprit le chemin du retour, en jurant bien qu'elle obéirait toujours à sa maman et qu'elle n'écouterait plus jamais les propos menteurs des loups. Parce que j'ai une drôle de mine, des pipes complets la figure et de drôles d'aventures. Avec mon ami Fantoche, du soleil plein la caboche et aussi mon petit chien, poil de pluche que j'aime bien. La 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 la. J'ai un arbre pour maison au milieu d'un grand jardin. Je connais les oiseaux et leurs chansons. Je dis bonjour au soleil tous les matins. On m'appelle Picotine parce que j'ai une drôle de mine, des pics en plein la figure et de drôles d'aventures. Avec mon ami Fantoche, du soleil plein la caboche et aussi mon petit chien, poil de pluche que j'aime bien. La 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 la. J'adore chanter et danser, je fais des rêves merveilleux. J'aime beaucoup les petits chats et les poupées, la lune, les étoiles et le ciel tout bleu. On m'appelle Picotine parce que j'ai une drôle de mine, des pics en plein la figure et de drôles d'aventures. Avec mon ami Fantoche, du soleil plein la caboche et aussi mon petit chien, poil de pluche que j'aime bien. La 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 la. Parce que j'ai une drôle de mine, on m'appelle Picotine. Je viens. Mouse sentit l'air frais lui redonner de la vigueur et aussitôt. Il repartit pour piquer quelque chose ou quelqu'un. C'est depuis 7 ans lointains qu'il existe des moustiques dans notre beau pays. Et cela, par la faute d'un méchant petit garçon qu'on appelait Mousi. Tic. Mousi. Tic. Mousi. Tic. Pas plus
gros que trois poussières, il a envahi nos terres, et puis aussi nos maisons. Le moustique n'est pas bon. Ils ont un dard sur le nez, qui tôt ou tard va piquer. C'est pire qu'un dard, c'est une aiguille, et ils s'en servent pour piquer les petits garçons et les petites filles. Ils viendront chez vous, aussi méfiez-vous, faites attention à leur nez. Les moustiques nous font la guerre, c'est terrible à endurer. Pour arrêter nos misères, il faut les empoisonner. Ils ont un dard sur le nez, qui tôt ou tard va piquer. C'est pire qu'un dard, c'est une aiguille, et ils s'en servent pour piquer les petits garçons et les petites filles. Ils viendront chez vous, aussi méfiez-vous, faites attention à leur nez. Mais quelle est cette musique? C'est celle d'un maringouin. Quand vous tuerez un moustique, vous en trouverez bientôt 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10, 20. Un dard sur le nez, qui tôt ou tard va piquer. C'est pire qu'un dard, c'est une aiguille, et ils s'en servent pour piquer les petits garçons et les petites filles. Ils viendront chez vous, aussi méfiez-vous, faites attention à leur nez. Ils viendront chez vous, aussi méfiez-vous, faites attention à leur nez. Il était une fois un vieux meunier. Un vieux meunier qui mourut en laissant à ses enfants une bien maigre fortune. Son moulin, son âne et son chat. L'aîné reçut le moulin, le second reçut l'âne. Quant au troisième, il n'eut droit qu'au chat. Comme il se désolait de ne recevoir qu'un aussi pauvre héritage, le chat s'approcha de lui. Miaou, ne soyez pas si affligé, mon bon maître. Après tout, miaou, je peux vous être utile. Donnez-moi un sac, une paire de bottes, et vous verrez. Le jeune homme, surpris, donna au chat ce qu'il demandait. Et le matou, désormais botté, partit à l'aventure. Dans un fourré, il captura très vite un superbe lapin de garenne qu'il alla porter au roi. Sire, permettez-moi de vous offrir ce lapin de garenne. De la part de qui? De la part de mon maître, le marquis de Carabas. Le marquis de Carabas? Une autre fois, le chat captura deux belles perdrix qu'il alla porter au roi de la part du marquis de Carabas. Je ne connais point ce marquis de Carabas, mais c'est un bien charmant garçon. Un matin, le chat botté apprit que sa majesté allait passer en grand équipage près de la rivière où son maître aimait se baigner. Alors il dit à ce dernier... Vous irez nager à l'endroit le plus dangereux. Et lorsque le cortège royal passera, vous ferez semblant de vous noyer. Et lorsque le carrosse du roi passe près de la rivière, voilà que notre chat botté se précipite au devant de sa majesté en criant... Au secours! Au secours! Mon maître se noie! Ton maître? Le marquis de Carabas! Vite, vite! Garde! Plongez dans la rivière, immédiatement, et ramenez sain et sauf le marquis de Carabas! Le roi fut heureux de connaître enfin le généreux marquis de Carabas, et il lui donna de beaux habits.
Pendant ce temps, le chaboté courait en avant et disait à tous les paysans qu'il rencontrait. Bonne gens, Tiboché. Si vous ne dites pas au roi que ce pré appartient au marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Puis le chat, continuant sa course, parvint au château de l'ogre. Il demanda à parler au maître des lieux et lui dit... Monsieur l'ogre, on assure que vous pouvez vous changer en toutes sortes d'animaux. En souris, par exemple. Rien n'est plus facile. Tu vas voir. Oh, oh. Et l'ogre se transforma en souris. Alors, le chaboté le dévora tout cru. C'est bon. Lorsque le roi et tout son équipage parvinrent au château de l'ogre, c'est le chaboté lui-même qui ouvrit les portes. Et à qui appartient ce splendide château? Mais au marquis de Carabas. Au marquis de Carabas? Eh bien, cher marquis de Carabas, vous me plaisez. Et pour vous le prouver, je vous donne ma fille en mariage. C'est ainsi que, grâce aux rusés chabotés, un jeune garçon sans fortune épousa la fille d'un roi. Ah, que neige sous la main, un chat de cette espèce. Ce jour-là, il régnait au château une grande agitation. Il faut dire que le baptême de la petite princesse, fille du roi et de la reine, était un événement extraordinaire. Cet enfant était leur unique héritière. À cette occasion, toutes les fées du royaume furent invitées au festin et toutes devaient être les marraines de la petite princesse. Sur la grande table nappée de blanc et fleurie de rose de la salle d'honneur, on avait mis la vaisselle la plus précieuse et le roi avait offert aux sept fées un splendide coffret d'or contenant un couteau, une fourchette et une cuillère en platine incrustée de diamants. Hélas, une huitième fée se présenta. On l'avait complètement oubliée. On la croyait morte ou trop vieille pour se déplacer. Le roi, n'ayant fait préparer que sept coffrets d'or, la vieille fut vexée de ne pas avoir de cadeau. On l'entendit murmurer de méchantes paroles entre ses dents. À l'heure où les marraines durent prononcer leurs vœux et offrir les dons à la princesse, chacune s'arrangea et dit « Je te donne la santé. »« Et moi, je te ferai belle. »« Tu auras beaucoup d'esprit. »« Moi, je t'offre la bonté. »« Je te promets beaucoup de gaieté. »« Grâce à moi, tu seras très élégante. » Après la sixième fée, la vieille fée s'approcha et dit très lentement, en hochant la tête entre chaque mot. « À 16 ans, tu te piqueras le doigt avec une aiguille et tu dormiras pendant 100 ans. » En entendant cela, la reine ne put retenir ses larmes. Heureusement, il restait une fée qui n'avait pas encore parlé. Celle-ci prit l'enfant dans ses bras et lui dit tout bas. « Rassure-toi, grâce au don que je te fais maintenant, tu seras réveillée au bout de 100 années, de la plus jolie et de la plus heureuse manière qui soit. Toutefois, je ne peux dévoiler le secret de ce don aujourd'hui. » Petit à petit, on oublia la mauvaise prédiction de la vieille fée et la princesse grandit aussi belle, bonne et douée d'esprit que possible. Elle entra dans sa 16e année toujours gaie, aimable et studieuse. Pour fêter son anniversaire, le roi et la reine invitèrent tous les amis de leur fille à un bal très joyeux. La fête commença. Et la petite princesse, qui aimait la danse, s'en donna à cœur joie. Soudain... Oh ! Je me suis piquée. Il restait une aiguille accrochée à ma robe. «
Quelques gouttes de sang s'échappèrent de son doigt. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai sommeil. Sommeil. Mais que se passe-t-il? Oh, oh. Elle alla se coucher. La prédiction de la vieille fée venait de se réaliser. Mais la septième et gentille fée apparut dans la chambre de la princesse, où le roi, la reine et les amis de la jeune fille pleuraient. Elle toucha de sa baguette toute l'assemblée, les parents, les amis, les domestiques et même les animaux du château. Et tout aussitôt, chacun s'endormit pour 100 années comme la princesse. Ainsi, à son réveil, la jeune fille retrouverait son entourage, aussi jeune qu'au moment où elle s'endormit. Dans sa précipitation, la gentille fée avait oublié d'endormir les arbres, les herbes, les fleurs, les ronces et les genêts du parc. Et le château fut bientôt invisible, car toute cette végétation, ayant poussé démesurément, formait une immense barrière naturelle, pratiquement infranchissable. Cent ans, c'est long, c'est très long, mais on ne s'en rend pas compte lorsqu'on dort. Au bout de cette longue nuit de 100 années, un jeune prince qui chassait le renard avec ses compagnons s'enfonça dans les fourrés. Il aperçut la pointe d'une tour qui dépassait au-dessus d'un très haut peuplier. Compagnons, j'ai découvert un vieux château. Venez, nous allons le visiter. Le prince eut bien du mal à arriver jusqu'à la porte d'entrée. À l'intérieur, tout semblait mort, et l'épais silence des lieux n'était pas rassurant. Quelques gentilshommes, peu courageux, s'entinrent à la première pièce, tandis que le prince prit l'escalier qui montait à la chambre où dormait la belle princesse. Lorsqu'il la vit, endormie, ravissante, souriante comme dans un rêve heureux, il s'approcha d'elle et, délicatement, se mit à genoux pour lui baiser la main. Ce tendre baiser la réveilla. Elle ouvrit les yeux et découvrit le prince charmant qui lui souriait et dont le cœur battait très fort. Vous êtes la plus belle entre toutes les belles. Et puis, tout le château s'éveilla à son tour. Le roi et la reine furent enchantés de voir leur fille au bras d'un jeune prince si beau et si gracieux. Ils comprirent alors le secret de la gentille fée. Ce secret s'appelait l'amour. Le mariage eut lieu au printemps suivant, dans une folle gaieté, et le prince charmant et la belle au bois dormant ne se quittèrent plus jamais.